réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale, appelé à la démission du chef de l'État, c'est mettre en cause nos institutions, c'est donc vouloir affaiblir la France. Dans ce moment-là, chacun a sa... Les décisions de la Banque Centrale Européenne ont permis d'amorcer une baisse de 10. Oui, j'ai besoin de votre confiance, hier, aujourd'hui, encore, toujours, car cette confiance, c'est la force, oui, c'est la force que nous allons redonner à la France. Le rendez-vous le plus difficile, il n'est pas aujourd'hui pour le Premier ministre, il est plus tard, il est sur les textes, et là, la majorité, ça sera plus simple pour elle, ne lui fera pas de cadeau, parce qu'on sent bien qu'il n'y a plus de cohésion. On dépense d'un coup 40 milliards qu'on donne aux entreprises sans aucune contrepartie et j'irai sans aucun ciblage non plus. Et je pense qu'on pourrait faire avec la même somme beaucoup mieux, beaucoup plus efficace. Ce qui est important pour nous, c'est de continuer, pouvoir continuer la politique que nous conduisons. Car si nous ne réussissons pas, nous aurons affaire à un démontage total du système français, notamment du système social.